Taguez-moi l'armée guinéenne, tous les militaires patriotes. Hier, le bandit Mamadi Doumbouya était au camp Alpha Yaya. La peur a changé de camp. L'armée guinéenne, les soldats, les patriotes, ceux qui ont porté la tenue pour défendre cette nation, vous ne devez plus vous laisser manipuler par un bandit comme Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre, qu'est-ce que le bandit ne vous a pas promis? Regardez les unités d'intervention rapide. Regardez le groupement au sein de l'armée. Bata aujourd'hui, où sont les hommes? Samoria, vous connaissez ce que Mamadi a à faire de M. Condé et des jeunes du camp de Samoria. Le général Sadiba, si ces gens-là n'avaient pas accepté, n'avaient pas voulu la paix pour ce pays-là, vous qui étiez mieux que le bandit Mamadi Doumbouya, mais vous avez accepté, vous n'avez pas voulu l'affrontement hier, parce que vous vous êtes dit, les paroles, les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'armée, vous étiez rassuré que le bandit allait bien faire. Mais le temps est le meilleur juge. Sadiba sacrifié. Les hommes qui ont accompagné, ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui sont allés attaquer la présidence, Alia, Michel Lama, les pierres, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Petit Diané, Kabine Traoré, Kouyaté, Souma, ils sont où aujourd'hui? Mamadi était au camp pour vous rassurer, pour vous mentir. Vous avez vu, tout récemment, le détournement d'argent. Daouda Bangoura, qui est du côté du Sénégal, que les bandits cherchent à extrader, qu'il aurait détourné l'argent de Baba. Baba qui est le Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales, le cousin de Mamadi Doumbouya. Quand l'affaire l'a pété, les gens ont compris. Il y a eu détournement. Beaucoup de militaires. Ah, nous nous sommes assis. Baba lui seul est en train de détourner des milliards. Mamadi a eu peur. Tous les adjudants-chefs des forces spéciales ont tous reçu 50 millions de francs guinéens cash. Je vous dis, le bandit, il a peur. Hein? Il n'a pas honte, mais il a peur. C'est ensemble que vous allez le faire partir. Mais si vous acceptez les miettes que Mamadi... Sadiba, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il était chef d'état-major. Il est où aujourd'hui? Ne pensez pas que, parce que le bandit vous nomme aujourd'hui, il vous dit, on est ensemble. Je vous dis, ne faites jamais confiance à Mamadi. Ou il n'a pas laissé le président Fakonde, il ne laissera personne. Tant que ce bandit est là, vos vies sont menacées. Ça, je vous le dis. Le commandant ou quoi? Et Amara, ne voyez pas Amara. Vous savez, quand on a parlé de l'audition de Amara, les gens pensaient que nous sommes là juste pour bavarder. Il n'a pas été que auditionné. Bien avant ça, il a été bien chicoté. Il a été bien chicoté comme un blakoro. Même Amara que vous voyez là. Ne le voyez pas, hein? Secrétaire ou quoi? Il a été chicoté par les enfants des forces spéciales comme un blakoro. Amara Kamara là. Vous avez vu quelque chose sur sa main à un moment donné? Il n'était pas blessé, mais les enfants l'ont chicoté. Les traces de matraque était resté sur sa main. C'est ce qu'il couvrait un peu. C'est pour vous dire que Doumbouya, il a dit devant tout le monde, il n'a pas d'état d'âme. Donc, je te rappelle, là, je suis en live. Donc, ils l'ont bien corrigé. Ça, c'est l'exemple pour vous dire que où Sadiba a été tué, où Amara a été corrigé comme un blakoro. Qui d'autre?
Donc vous qui pensez qu'on est nommé préfet, commandant, Mamadi, esprit, Mamadi s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Ça, je vous le dis. Hein. Vous n'avez pas vu, mais avant le Ousmane Gawal, ils avaient tous peur des Amara parce que il était devenu le petit patron de Doumbouya. Mais vous avez vu la dernière fois, la sortie là, médiatique, tout récemment, il y a deux jours, trois jours de cela, vous avez même vu Ousmane Gawal mettre sa main sur l'épaule de Amara parce qu'il a compris que Amara est zéro maintenant. Parce que lui-même, il est au courant de ce qui s'est passé. Ousmane Gawal osait mettre sa main ici, sur l'épaule de Amara. Ça veut dire que Amara est zéro. Vous avez vu ça tout récemment. Allez-y visionner la vidéo. De leur sortie, Moussa Moïse, Amara et l'autre partage au maximum. Famille, pour dire à ces militaires-là que Doumbouya s'en fout. Que s'il veut vous sacrifier, il va vous sacrifier. Si Mamadi veut vous sacrifier là, il va vous sacrifier. Donc c'est pour vous dire, tant que le bandit est là, vous-même vous êtes des prisonniers. Même les éléments de force spéciale. Je vous rappelle là, je suis en live, je vous rappelle. Ok, je vous reviens, ok. Donc, c'est pour vous rassurer encore que Mamadi s'en fout de vous. Vous, les nouveaux commandants ou quoi. Donc, n'écoutez pas les ondes de Mamadi là, dire il va augmenter vos salaires. Quelqu'un qui ne peut pas payer aujourd'hui les fonctionnaires. Qui parmi vous, Mamadi, va payer? Qui? C'est ceux qui sont à côté de lui là. Les forces spéciales dont il a peur. Les Spartacus, les Baba et les petits là. Le souci de Mamadi, c'est ça. Regardez les recrutements. L'armée guinéenne. Depuis l'arrivée du bandit Mamadi Doumbouya, les 11 ans du président Alpha Condé, on recrutait presque chaque année. Mais depuis que le bandit est venu, ils ont recruté qui dans l'armée encore? À part vous mettre à la retraite sans mesure d'accompagnement. Qui Mamadi a recruté au sein de l'armée? Les forces spéciales. Beaucoup sont morts le 5 septembre. Mais le nombre des forces spéciales aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, ils vont atteindre plus de 4000. Ils sont plus de 3000 aujourd'hui. Plus de 3000 personnes. Créer une armée dans une armée. Et aujourd'hui, vous êtes assis. Ça dit, Mamadi, il vous prend pour des bambins, quoi. L'armée guinéenne. Il va vous voir quand il veut, comme ses enfants. Ils sont en train de créer une armée dans une armée. Et la gendarmerie aujourd'hui. On n'a rien contre la gendarmerie. On dit souvent, dans l'armée, c'est les intellectuels. C'est eux qui font les investigations, ainsi de suite. Ils viennent en renfort à l'armée. Mais aujourd'hui, deux petits gendarmes, Idi Amin, Bala Samoura, ils ont quel respect pour toi? Et en plus, le ministre de la Défense, c'est qui? C'est un gendarme qui vous commande aujourd'hui. L'armée guinéenne. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Vous pensez que Mamadi, les promesses qu'il tient, les 100% qu'il avait tenu après le coup d'État, où nous en sommes aujourd'hui? Ça fait 3 ans. 3 ans, quelqu'un n'a pas pu tenir sa promesse. 100%, il va augmenter, vous allez avoir ça. Vos ravitaillements, là, vous gagnez quoi? Et même aujourd'hui, personne, au temps du président Alpha Condé, vous pouvez revendiquer, dire à vos patrons, ah, il y a ça. Toutes les revendications de l'armée, pendant les 11 ans du président Alpha Condé, tout a été respecté. Même un jour, personne n'a tiré un coup de fusil. Mais vos conditions de vie, est-ce que vous osez aujourd'hui? Même quand tu parles seulement, tu fais disparaître. L'armée, vous êtes en train de jouer avec vous-même. Mamadi s'en fout. Il a tué, il va continuer à le faire. Ce n'est pas son problème. Vous voulez agir, agissez. Vous avez peur de mourir, vous allez mourir. Au Fagato, au Ting, au Mouting, Tina au Fagamane. Mais c'est mieux de mourir dans l'honneur. La Guinée, quel rafala. Dieu, ils se sont battus. Mais on a fala où il était fini. Bon, il y a mon afala, parce que Nafala Guinée, Mara Guinée, il y a des femmes militaires aujourd'hui. Donc, si vous devenez des peureux, il y a des gens bien costauds dans l'armée. Il y a des gens bien instruits que ces gens-là. Vous avez servi dignement la patrie que ces gens-là. Amara Sigagere Mundo.
Bala Samoura allait faire quelle guerre? Mamadi Doumbouya même, en tant que l'armée, il allait où? Il y a combien de militaires guinéens qui ont été à Kidal, au Warafeto, mais où il était fini? Vous vous comportez comme des enfants, comme des bons à rien. Les bandits là vont marcher sur vous. Aujourd'hui, il a peur. Et il sait que le peuple de Guinée aujourd'hui, j'ai dit bien, 99,99%, 99,99% ne veulent pas de lui aujourd'hui. Mamadi est conscient de ça. Ça, je vous le dis, hein. Mamadi est conscient de ça. C'est vous qui devez resserrer les rangs. On peut tromper le peuple à un moment donné, mais pas à tout moment. Donc vous les militaires, Mamadi peut vous tromper à un moment donné, mais pas à tout moment. 3 ans, ça suffit. 3 ans, ça suffit pour vous. Je vais vous faire écouter. Ce qu'on demande à cette jeunesse, ce que je cherche, je vois pas. Attendez. Ok. Voilà. Camarades de lutte. Écoutez cette vidéo. Après, on va. Monique Menge, Biloba reste encore introuvable. Et je crois qu'on est presque à une vingtaine de jours, depuis le 9 juillet, non? Aujourd'hui, nous sommes le 27, 18 jours qui sont, que nous sommes sans nouvelles. Nous avons vu la sortie du jeune Cissé, qui était avec eux, et qui a partagé les circonstances. Et aussi la sortie des porte-parole de la transition, de la junte militaire qui est du Premier ministre, qui cherche maladroitement à se dédouaner en se croyant plus subtil. Et ce qui est quand même plus, ce qui est cynique, c'est de faire même d'ironiser et de banaliser la vie des gens. Et lorsque cela vient aussi des personnes pour lesquels des Guinéens se sont battus, lorsque ces personnes en difficulté, Baouri n'est pas un inconnu d'ici, il a subi beaucoup de choses, il a même été contraint à l'exil, il s'est échappé ici parce qu'Alpha Condé l'avait traqué sous prétexte qu'il avait participé à une tentative d'assassinat, il a fait des années, lui-même il appelait à l'insurrection populaire. À partir de l'extérieur, il en appelait à des coups d'État. Ousmane Gawal, qui est dans le gouvernement, je crois que c'est même pas trop la peine d'en parler, tellement que ça fait pas honneur. Et Amara lui-même, au temps de Dadis, il s'est retrouvé, lui et son père, dans certaines circonstances. Lorsqu'on voit les mêmes personnes aujourd'hui au devant de la scène parler des victimes avec tellement de mépris, d'arrogance, de haine. Et à la limite, on imagine la blessure que cela représente pour leurs familles qui suivent cela en direct. On s'interroge de savoir quel pays nous sommes, quelle population nous sommes. Est-ce que la politique ou la gouvernance doit nous déshumaniser? Tout d'un coup, comment on peut ne pas se rappeler soi-même par où on est passé, qu'est-ce qu'on a subi, comment les autres se sont mobilisés contre l'injustice. Mais il nous a été enseigné que l'injustice, quelle que soit sa cible, peu importe, il faut se battre contre l'injustice parce que c'est une chose qui n'est pas acceptable. Même si ça doit bénéficier à votre pire ennemi, votre pire adversaire, peu importe, battez-vous pour des valeurs parce que vous croyez en ces valeurs, parce que vous êtes humain. Soyez ce que vous êtes, ne cherchez pas à être ce que les autres sont, parce que c'est ce qui va rester. Ce pays a beaucoup de leçons à tirer, a beaucoup d'enseignements. Comme je l'avais dit au CNRD le 14 septembre 2021, on n'a pas besoin d'aller chercher dans des livres à Harvard et à la Sorbonne. On a juste besoin de voir à côté de nous des gens qui sont passés par là. Depuis 1958 à nos jours, il y a eu des gens qui se sont crus tellement puissants
Mais après leur chute, on a vu ce qu'ils sont devenus avec leur famille. Et inévitablement, ça c'est une logique de la vie, le même chemin conduit toujours à la même destination. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas un miracle possible. Si vous voulez faire quelque chose de différent, vous devez changer ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez obtenir un résultat différent. Il y a beaucoup qui sont déçus de la politique à cause de certaines personnes qui ont changé, qui se comportent de cette façon. Et qui, à un moment donné, ne croient même plus à la Guinée. Je crois que nous vivons la période qui constate la plus grande vague de départ de Guinéens du pays. Il faut circuler dans la sous-région pour le comprendre. Nos compatriotes sont nombreux dans tous les pays voisins pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un sondage pour savoir, en dehors du petit groupe qui profite du pouvoir, le petit groupe qui ne représente même pas 0,001% de la population, en dehors de ceci, je pense que si vous faites un sondage, vous verrez que 90% des Guinéens ont envie de quitter la Guinée. Et c'est dommage. Parce que ce sont des ressources que nous perdons. Tous ces jeunes qui vont pour étudier, parce qu'ils ne reviennent pas, parce qu'il n'y a pas de perspective. Si le retour dans ton pays, c'est la mort qui t'attend, c'est l'injustice qui t'attend, c'est le mépris qui t'attend. Les références qu'on te donne, les repères qu'on te donne, ce sont les gens les plus médiocres de la société, les plus criminels de la société. C'est eux qui ont pignon sur rue, c'est eux qui s'exposent. Les plus méritants, ils sont méprisés. Ils sont traités comme s'ils sont des maudits. Et le Guinéen définit la réussite par rapport au matériel. Ce qui compte pour lui, c'est quand tu vas garder un véhicule de 50 000 dollars, tu portes un bassin de 10 millions, tu distribues de l'argent. Pour eux, c'est toi qui comptes. Quand tu fais un livre, quand tu as un mérite, quand tu décroches quelque chose, quand tu contribues à développer l'humanité, ça ne compte pas pour eux. Quand il y a une monnaie qui passe ici, les gens ne regardent pas. Mais quand un voleur des deniers publics passe là-bas, on dit, c'est le grand du quartier. Nous, il aime la jeunesse, hein? Il nous aime beaucoup. Il nous aide ici. Il te vole ton avenir, il te vole ton présent. Il prend l'argent qui devait servir à t'envoyer tes enfants à l'école. L'argent qui devait servir à construire des hôpitaux. L'argent qui devait faire des routes. Ton voleur, au lieu de le prendre... Vous savez pourquoi j'ai joué la vidéo de Alioba? Souvent, je ne le rate pas, je tape sur lui. Mais moi, j'aime la vérité. Vous avez bien, bel et bien écouté. Mais eux, ils n'ont pas fait cadeau à Alpha Condé. Montrez-moi un immeuble, une maison que le président Alpha Condé a construit. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici sur le président Alpha Condé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est vérité que Ali est en train de dire. Et c'est ça, c'est comme ça la Guinée fonctionne. C'est le voleur, c'est le vaurien qui est apprécié. Montrez-moi un proche ou le fils du président Alpha Condé, au temps du président Alpha Condé, lors de son pouvoir, du pouvoir de son papa, qui a vu Mohamed Condé dans une voiture. Où on va dire ça ne va pas, mais regardez le fils du président. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de voir la famille de Doumbouya. Sa soeur est du côté de Famba Yimba en train de construire des étages. Sa maman achetait des villas à Kipé. On voit les Amara, tous ces vauriens, les balas. Mais vous n'avez pas fait cadeau à Alpha. Mais le pays, malgré nos difficultés, Ebola et tout, le président Alpha Condé. Pourquoi ceux qui marchaient au temps du président Alpha Condé ne marchent pas? On voulait à tout prix le départ du président Alpha Condé. Même ce qui est bon pour le pays, non. Malgré nos difficultés économiques, ce gouvernement a donné l'eau, 6 mois cadeau, l'électricité cadeau, transport public cadeau. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, moi, wallahi billahi tallahi. C'est-à-dire, le président Alpha Condé, je ne vais jamais accepter que quelqu'un lui manque du respect. Le système, ceux qui ont fermé les frontières pour énerver les militants de l'UFDG, c'est eux qui sont au pouvoir. Bala Samoura était de la gendarmerie, Idi Amin était de la gendarmerie, tout ce qui était investigation et autres, c'était eux. Même le président Alpha Condé a été victime du système. Mais hier, on lui traitait de taux. Tantôt on dit, c'est l'homme le plus riche. Mais on voit, Nantou Chérif, la soeur du président, quand on l'a vidé de la maison, on sait la suite. Nantou Chérif, pourtant c'est la soeur du président, 11 ans de pouvoir. Le président Alpha Condé, tout ce qu'il voulait, c'était pour le pays. Mais on a dit non, non, non. Non. Où sont nos commerçants aujourd'hui? Les vendeurs de médicaments.
des milliards en francs guinéens, des millions en dollars. C'est-à-dire, ce régime, je n'ai pas vu des gens remplis de haine comme les gens du CNRD. On dit des commerçants que parce qu'ils sont, d'après eux, ils sont affiliés à l'UFDG. Pour les appauvrir, on laisse nos commerçants guinéens prendre leur argent, aller acheter des médicaments dans d'autres pays. Des millions de dollars. Ils viennent avec des conteneurs. Et ces bandits-là laissent ces commerçants, ces hommes d'affaires, dédouaner. Après avoir dédouané, ils saisissent ces conteneurs-là et allaient tout détruire sous nos yeux. Quand on veut apporter un changement dans un pays, on communique. On travaille ensemble. On ne peut pas construire un pays avec la haine. Et pourtant, le temps du président Fakonde, ce n'était pas comme ça. Aucune démocratie n'est parfaite. Hein. Mais, aujourd'hui, les Guinéens sont en train de voir la différence. Quoi qu'on disait, il y avait le courant. Quoi qu'on disait, il y avait la sécurité. Quoi qu'on disait, il y avait des cadres compétents qui étaient à l'administration. Ali Ouba, je vous dis chapeau, bravo. Osez. Osez, vous avez de l'avenir. Mais moi, ce que je vous demande, c'est de mettre le président Alpha Condé de côté. Vous voulez faire votre combat là. Faites-le. Votre problème, c'est cette haine envers le président Alpha Condé. C'est ce qu'il faut oublier. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens-là. Ces bandits qui sont là, là. En tout cas, vous avez très bien parlé. En Guinée aujourd'hui, c'est les Vauriens qui sont appréciés. Et cette jeunesse, c'est pourquoi j'ai dit tout le temps à cette jeunesse de Kaloum, au Fouyantéa, ou à Dan, où il était fini, Hamera, au Radroa, ou à Kolo. Naga Kaloum, jeune Namadi. Naga Fouyantéa, parce que capitale vitrine, Naotanana, centre des affaires, palais, Abirinamène. Mais autant où il était fini, Fouyantéa, la Guinée Moussigama, de Kaloum, jeune. Il y a même Aotanana, Granana Kide. Quelqu'un qui est âgé que. C'est-à-dire, même ton enfant est âgé que la personne. Il t'en dit, Granana Kide. Quelqu'un qui vole. Hôpital Mouna, Onufura, Omuno Masigade, urgence. Partout dans le monde. Fourende Tana, Inusiga, urgence. Etalama Arao Tongo, en charge. Namuno Marabade, parce que Obraou était fini de Fouyantéa. On aurait des gens qui volent et bazin. Auto, grand anakide. On a fouillanté à Nandama. Kaloum Jeune. On a fouillanté à Nandama. On m'a tort. Vos terrains aujourd'hui, les bandits sont en train de chasser vos parents. Et Naora Minifé. Marafra Kaloum Kéo, Ono Yarabi. Mais, Omo Masarama. Il y a des gens aujourd'hui, des cadres de la basse côte. Et Bara, et Begué manipulé. Il y a beaucoup de cadres de la basse côte aujourd'hui qu'on a payé. Vous allez voir les mois à venir. Mouvement, mouvement. Autant l'ouma n'a fouillanté à Nankoui. Autant l'ouma n'a fouillanté à Nankoui. Autant l'ouma n'a fouillanté à Nankoui. Autant l'ouma n'a banara. Autant l'ouma profiter la Guinée, Simandou, les revenus. Baskot Nara, CBG, Adangui Maleri Bini. Mais on s'est dit, Yeri Masema, il y a la société Bana, Yeri. Société Yeri Masema. Namine biri na baskotne. Capital na baskotne. Banan fe biri na menne. Pota, oboye tongo malo mundu. Ota loma bisabila ne ler biri. Grand, grand. Ota luma nanankui. Migema fala ma ota ma grand. Donc, na biri na ba mane, ora bonye sotoson. Oba ou yete fini fe fouyantera. Regardez Sifo qui est là-bas aujourd'hui. Le porte-parole des sinistrés. Parmi les gens du CNRD, qui est plus instruit que Sifo, le porte-parole des sinistrés de Kaloum, Amouna, et de Ronan Kolo, compétence Feyomouna. C'est quand est-ce que vous allez vous réveiller? On a compris, mané. Intérêt personnel, Naramou, Obouna Fama, on a l'ouma, l'oromoudo. Kaloum, la mané, a raffiné à le capital bourré. Lui est chic. Mais au mato, Oyeri na bangé kouimène. 10 personnes. 10 personnes, 10 jeunes. Kaloum, bangé koui. Omu ya gima. Omu ya gima, na fait en koui.
Mais rien à faire, Omar Berenaki. Il vole l'argent des Guinéens. Et Oto Belebele Sara. Et t'en as couru bang et tifé. Et Rafa, Otama Bere. Oh non, 50 000, 100 000. On a sougou. Pena fouillante ya Otamou Mananakoui. Otamou Boyen Sotoma Lorondé. Car ce dit, ne rebara reçu. O famou tonne mané tama. Oui, il y aura Otanam. Mbarafala, Kalumna Yarabi. La Guinée Yarabi mané. Kaloum nous serions folo, la Guinée serions folo mané. Kaloum jeune n'y était fini. Responsable, la Guinée va devenir un pays responsable. Parce que vitrine, palais, abri n'a mène. Mais il y a eu autant. Et n'a fallu qu'il se dit bon yafa. Au fin d'un rayon, il y a eu l'eau, il y a eu fin de fouillantira. Et n'a fallu bon yafa kyoki. On a eu l'eau, mais il y a eu foutu au man. N'a kobri, est-ce qu'il y a eu benara? Bon, kobri nara. Bon, Kobri. Amara avec quoi? Idi Amin avec quoi? Et d'ailleurs, je vois un là-bas actuellement qu'on dit Monsieur Konko ou je ne sais pas quoi là. Maman Tchenga Massé Obed, je crois que je dois avoir la photo du gars. Parce qu'il y a des fouillantés. Il fouillantait dans ton manière à Kampai Rabara. Maman Tchenga Dié Khamedi Massé Obed. Des zéros comme ça là. Mouyeti. Nenna minde. Un. Obara dit Khamedito. Et Nagama Obarato. Regardez-le. Et Rélie Mako David Makongo. Il y a longtemps je vois, je parle pas. Obara dit. Dieu n'a pas ma bérédé. La dernière fois j'ai vu. Tellement que Eyori Sosé Diema, Bascotte Diema. 5 télévisions ou 6 télévisions. Des télévisions qui ne... Actuellement, télévision Saré, personne ne regarde la télévision. Télévision Saré Barabira. Télévision, même 300 dollars, 250 dollars. Na écran 55, ino masarade. Et femme, autant la dignité, berede aura dignité dans na. Avec 5 télévisions, 6 télévisions. Des gens comme ça là. Et t'en as millions à baffer. Et regardez, l'habit qu'il porte, na marque. Ana marque na gan sofeiki. Télévision nous nasse na kam bire sokoye. Chapeau na gana akuma. Nasare dange na birina. Chapeau na gana akuma. Otan doko meni na fuyantia na bonye fa. E na oa kobri mouye fe. E rafa bire otana. Oga bonye sa. O naga revendikasyo yoraba. Otan nga lu na koko ya kui. Kono ko gara nanaki. E la gina kadi. E. Kalum dime. Otan bonye sotoma loro mundu. Est-ce que avant le coup d'état, n'a bandi un mineur né et au Mali, avant le coup d'état, est-ce que Dieu fait rené? Et n'a bandi Mamadi Doumbouya soutenu fait. Et n'a cobri mouya fait. Et Rafa Otama Bereto t'a dit qu'au télévision, et bien la dit ce haut à Nira, aura développement dans qui? Et n'a pas béni Mereka Yereso Iyira, Arimatinga Yereso Goumakianara. Est-ce que c'est l'emploi qu'on vous donne? Est-ce que c'est le travail qu'on vous donne? Fonfanga waline. Nana na sobera. Est-ce que bara wali so oira? Kalum di. Fonga boyan soto sonon. Et moufama wali so de oira. Cesse. 19 200 personnes à la retraite. Combien de jeunes de Kalum? Obara gen harande. Migyoma falama. Ande mou harange meni. A bebe nana. Asi fora exemple. Na tongo mananama. Migi bebe nana meni nere harange. Est-ce que na Kalum jeune et malira? Des gens comme ça vont venir. Insultez votre intelligence. Hein? Namigi modèle. Namigi modèle femme. Au combi de mienne. Avec 3 télévisions. Qu'ils sont en train d'aider la jeunesse. C'est pas de l'emploi concret. Et mou wali soma ouira. Et mou se soma ouye. Tant te dit 50 000, 100 000 francs guinéens. Il se gadoro. Il t'aurait plaqué le tongo. A nous jukere. A baragnon. Odoro wa kontafli kui. On a gansu ton matina namuna. Mais ka wali na ouye. Vous avez du travail. Vous savez que chaque fin du mois, vous avez quelque chose. Non, mais le modèle, au la mané, au radier, kombi. Que mou wali fi ma ouma. Ces gens-là viennent se flanquer devant vous. Et rabbere, au radinité, là. Ou un kombi. Parce que beaucoup ont reçu aujourd'hui des milliards. Et fafé, ouma, berede. Comme il n'a pas soma ouira. Amouna, ma 2 jours à bas de ouira. Pour que autant nga mini, aura luna kokoya. Ils vont tromper l'opinion nationale et internationale. Konon, et la population, la Guinée-Kéna, n'a au compte. Donc, à la baie, au Yara Bissonon.
du combat. Moi, je vous ai dit, moi, Damaro, ce que je fais, moi, je suis venu, j'ai les papiers. Si moi, ce n'est pas le combat que je fais là, prends le téléphone, parlez aux gens. Wallah, c'est plus de 2000 et quelques que je fais par semaine. 2000 et quelques. Non, ma nana n'a pas de chaque semaine. Ma oubakui. Obrato. Toi, déjà, 100 et quelques nana qui. 10 semaines. Malgré Oato, ma vidéo est rabama. M'fait bébé rabama. Obrato. 1378. Près de 1400. Ma nous gewende ya. Ma fissende de continuer. Kama soto 1500 nara. Donc, on a tout moutan dire à Bama. Ça ne veut pas dire que moutan a l'ou heribé. Mouna a sotobi kyoki, mounou bangiti la Guinée, faut mouga sigane. Ina me isi ga ilu roin, kura nana mene. Ina me isi ilu roin, kira nana mene. Ina me ilu la Guinée, sécurité nana mene. Les idiots qui ne comprennent pas. Rafaiki, ou bien soriki. Biri roin rafam. Sinon, Amérique n'a pas de ma fafé de naka. Mouna ma falade, la Guinée fait moi bamouni. On va bien vivre ici. La Guinée qui a contact moi ou coupé. Mouna ran sotoma. Na mouna fama nebe. Mais la Guinée, moura mere, tore na mere fare. Ande nou wali mahoro. Tota y mouna ma walde. Donc, mouta nga combat. Moumoua ma djiborga kunakana. Moua ma changement nango. Mere na bo. Ceux qui sont au pays, pour qu'ils retrouvent le bonheur, c'est le sens de notre combat. Mais actuellement, ils sont en train de fabriquer beaucoup de billets aujourd'hui pour vous. Planche à billets, n'a faux billets. Parce que les banques aujourd'hui, vous avez vu, ils ont endetté le pays. Nous sommes à plus de 2 milliards, plus de 20 000 milliards auprès des banques privées et donné dans Rantongo. Pourtant, le gouvernement du président Fakonde n'était pas comme ça. Les Guinéens doivent se réveiller maintenant. Et Dieu merci, vous savez, au début du coup d'État, des gens de l'opposition, eux-mêmes, ils ont compris aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit le temps, c'est le meilleur allié de la vérité. Les gens commencent à comprendre maintenant. Les voix se lèvent maintenant. Que le coup d'État en Guinée, les premiers responsables, c'est la France. Mamadi était un légionnaire. Et tout le monde avait vu des toubabs, des étrangers, des mercenaires lors du coup d'État. Ça veut dire maintenant, c'est question d'intérêt. Et tous les Guinéens doivent se réveiller, mettez les cœurs, doivent comprendre cela. C'est vrai, le combat entre nous les Guinéens, ceux qui étaient contre le troisième mandat, c'est votre droit. Mais le départ du président Fakonde, tout a été formé, commandité depuis l'étranger. Coup d'État au Mali, on condamne. Coup d'État au Burkina, on condamne. Coup d'État au Niger, on condamne. Coup d'État en Guinée, on ne condamne pas. Malgré qu'il y a eu des morts, je vous dis, la France s'en fout de la Guinée. L'alternance, ce n'est pas leur problème. Paul Biya, au Cameroun, combien d'années? Plus de 40 ans. Il a été invité par la France. La France s'en fout de la démocratie en Afrique. La France s'en fout de l'alternance. La France n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et une fois que leurs intérêts sont menacés. Mamadi est là aujourd'hui qui a parlé de refondation, la lutte contre la corruption. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas payer les fonctionnaires? Mais le président Fakonde, qui avait un bras de fer avec l'État français, mais le président Alpha Condé, lui, il parvenait à donner, à payer les fonctionnaires guinéens, à faire des grands projets. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne se pose pas ces questions-là? Pourquoi le Mali aujourd'hui sous la sanction et le Burkina? Malgré qu'ils avaient des difficultés au départ, pourquoi eux, ils arrivent à payer les fonctionnaires? Ce qui veut dire, la France ne prend plus sa part là-bas. Aujourd'hui, la France, elle prend leur part en Guinée aujourd'hui. Les Français viennent puiser aujourd'hui. C'est pourquoi on m'a dit aujourd'hui, il ne peut pas. Parce qu'on envoie des mercenaires, des légionnaires, les gens en Kangoulé. On envoie des experts français qu'on paye à des milliers de dollars. Et les contrats miniers, la France a sa part dedans.
quand on vend la bauxite guinéenne, ils vont payer l'impôt à des entreprises de la France, des États-Unis, de la Chine, de l'Inde. Qu'est-ce que nous gagnons? Il faut que les gens comprennent cela. Le coup d'État, c'est vrai. Mamadi, c'est ce que je vous ai dit. Mamadi a profité de la position de l'UFDG ANAD, de UFR, de l'opposition en général, pour faire le coup d'État. Mais ce n'était pas pour vous. Où est Fonike Mangue aujourd'hui? FNDC, il est où aujourd'hui? Où est Sékou Koundouné? Où est la Seloudalé? Je vous ai dit, avec le temps, la vérité va triompher. Le coup d'État, c'est la France. Le coup d'État, c'est la France. Du président Fakon. Mais vous savez, quand vous disiez ça hier, vous allez devoir quitter ici. Tu as troisième mandat. Mamadi, les jeunes forestiers du camp Al-Fayaya, que Mamadi a maté, vous avez oublié. Il y a eu même des morts d'hommes. Les gens ont oublié. Ça dit, le Guinéen ne pense qu'à son intérêt personnel. C'est pourquoi j'ai joué la vidéo de Aliou. Quand tu combats l'injustice, tu ne dois pas changer à cause de la position des autres. Parce que si tu essaies de faire comme les autres, là tu ne défends pas un idéal. Même si ça ne te profite pas, il faut toujours lutter contre l'injustice. Et il manque à la Guinée des cadres honnêtes. On a des talents, on a des vrais technocrates. Mais ce qui manque, c'est des hommes honnêtes. Même ton adversaire, ton ennemi, ne lui fais pas l'injustice. Donc, donnons-nous les mains. La mangue est mûre. Donner du temps à ces voyous, c'est laisser ces voyous-là faire le mal au peuple de Guinée. Ils sont venus avec leur expression maudite. Eh, bidon, là, on va faire l'amour à la Guinée. Vous l'avez violé maintenant. Vous l'avez violé. Qu'est-ce que vous avez apporté? Des petits groupes, un groupe d'arrogants seulement. Juste des arrogants. Aucune notion de la République. Les pays comme le Burkina, le Mali, où il y a la guerre. Mais regardez leur gouvernement. Mais regardez ce qui se passe chez nous. On tue des officiers comme si de rien n'était. Et Ousmane Gawal vient se flanquer devant nous et raconter des salades. Attends, je te rappelle là, je suis... Allô, je suis en live, je te rappelle. Ousmane Gawal, ceux qui ont critiqué hier, mais il faut vraiment écouter le même Ousmane Gawal aujourd'hui. C'est vraiment dommage pour notre pays. Je dis à nos leaders, président Alpha Condé, Sidi Touré, et la Seloudalé, si vous êtes fatigué, dites-nous. Mais si vous avez pitié de ce peuple, agissez dès maintenant. L'armée guinéenne, pareil. L'intérêt égoïste, là, l'intérêt individuel, mettez de côté. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est conscient que Mamadi est fini. Il ne pourra plus avoir la confiance du peuple. C'est juste question de force. Et c'est le peuple qui a le dernier mot. C'est le pouvoir du peuple. Si le peuple décide, c'est fini. Mais cette petite division-là, il faut que nos leaders comprennent. À un moment donné, si vous n'acceptez pas de travailler ensemble, il y a des jeunes qui vont prendre vos places. Le président Alpha Condé, Ella Seloudalé, Sidi Touré. Et cette information, je voulais attendre, mais je vais vous dire ça ici. Vous savez, UFDG, Wallahi, c'est la force qui va vous libérer. Le RPG, c'est la force qui va libérer le RPG. L'UFR, pareil. Vous savez, dans leur tactique de rester, l'UFDG, Ousmane Gawal, lorsque l'UFDG fera leur congrès pour réélu Ella Seloudalé, Ousmane Gawal, vous avez vu des mouvements que les amis de des milliards ont été mobilisés, mis à la disposition de Ousmane Gawal pour détruire. Et ils vont se servir de cette justice. Ils vont parler de contestation. Donc l'UFDG sera mis de côté. L'UFDG n'aura pas de candidat aux élections.
Le RPG, pareil. Les gens comme les Souleymane Douno et autres, là, ils vont s'aimer la même zizanie pour dire le RPG, il est temps pour les jeunes. C'est les mêmes pagailles qu'ils vont créer. Et le bandit maintenant va être indépendant, comme dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Je vous avais dit hier, non? Et vous avez vu, après ma sortie, quelques temps après, ils ont fait leur communiqué qu'à partir du lundi, ils ont convoqué tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que les gens-là, si ce n'est pas la force, ils ne vont pas reculer. Ils n'ont pas honte. Et ils sont conscients qu'ils ont tué le 5 septembre. Où sont les corps? Ils continuent à faire le mal. Ils font saigner l'économie guinéenne. Ils sont conscients de la présence de la CRIEF. Donc, si le peuple de Guinée ne se lève pas, si le RPG pense que non, c'est l'affaire de l'UFDG, c'est votre problème. Vous allez mourir avec votre haine. Si l'UFDG pense aussi, c'est l'affaire du RPG, c'est votre problème. Vous allez mourir avec votre haine. Si le parti de Sidi Touré aussi, même là-bas aussi, il y a un grand, je ne vais pas dire son nom, de la manière Ousmane Gawal, il va s'aimer la zizanie, pour l'UFDG, le RPG aussi, les Souleymane vont s'aimer la zizanie, il y a un ancien aussi de l'UFR. C'est-à-dire, c'est tellement enfantin. C'est tellement ridicule. Non, mais franchement, il y a des gens qui pensent que non, tout va se limiter ici. Que ce qu'ils sont en train de faire, c'est éternel. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. Oh Lord, c'est vous qui allez avoir honte. Mieux vaut souffrir pour un moment, garder votre dignité, que demain les gens vous respectent, que de mettre votre dignité en jeu pour des criminels, pour des voyous, pour des bandits. Des gens qui vont tomber. Des hommes forts sont tombés avant eux. Et ils vont tomber, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mettez cela en tête, l'UFDG, quoi que vous fassiez, voici le plan machiavélique des bandits. Voilà, l'UFDG fait le congrès, et Ousmane Gawal va venir pagailler, et ils vont se servir. Et est-ce qu'il y a une justice? C'est eux qui nomment. Donc, ils vont, cette justice va dire, voilà, la justice va dire, voilà, comme c'est ça, vous êtes tous suspendus, nanani. Ils veulent le chaos. Ils veulent le désordre dans le pays. Mais les militaires, c'est à vous, les soldats patriotes. Je l'ai dit, l'armée guinéenne, vous n'avez même pas, je dis aux militaires, des vrais soldats, vous n'avez même pas allé attraper le rat, parce que Mamadi est un rat aujourd'hui. Et le président Alpha Condé qui était civil, il était à Sékou-Touré. Vous avez vu ses murs à béton. Lui qui dit qu'il est militaire, il sait qu'il n'est pas aimé, il a peur encore. Allez-y voir devant le palais. Vous n'avez pas besoin d'aller déloger le rat Mamadi Doumbouya. Il suffit d'une déclaration. Et vous allez voir le peuple de Guinée, même la communauté internationale. Parce que la situation, un pays, vous entendez aujourd'hui les organisations des droits de l'homme, des kidnappings. Je vous ai dit, la vraie libération du peuple de Guinée arrive. Les bandits seulement, c'était des mises en scène. C'est eux qui ont pris la Guinée en otage. Le président Alpha Condé n'avait pas pris la Guinée en otage. C'est eux-mêmes, les bandits là, qui avaient pris la Guinée en otage au temps du président Alpha Condé. Maintenant, ils ont fait sortir leur vraie face. Le président Alpha Condé était là pour les empêcher. Ils l'ont mis de côté. Et eux, maintenant, ils ont montré leur vrai visage. Ceux qu'ils disaient, on est venu pour libérer. Non, non, non. La vraie libération arrive.